Go continue la campagne. Je peux essayer l'une des 16 nations à représenter lors du tournoi ultime de Quidditch. Gagnez votre place en terminant en tête de votre groupe. Lors du tour qualification, vous pouvez... prendre la France. Hein. Et là, on va se mettre en mode expert. Ah, donc là, c'est le terrain de la Coupe du Monde. Là, c'est le big terrain stylé. Le test ultime pour une équipe, c'est la Coupe du Monde de Quidditch. Les nations du monde des sorciers envoient leur... Le terrain est stylé, en vrai. Remporter une gloire internationale. Tes joueurs peuvent-ils dominer les autres pour devenir les plus grandes stars du Quidditch? Je vais être honnête. J'oublie parfois que les États-Unis savent ce qu'est le Quidditch. Pensez-vous qu'ils vont vous surprendre cette année? Param pam, param pam. Yes, dispo sur ordi. Donc là, attends, il y a combien de tours? On va voir combien il y a de tours de qualification. Il y a encore les coups spéciaux d'équipe. C'est quoi les coups spéciaux d'équipe? Les joueurs s'envolent, le cœur battant et le balai flamboyant. Non, j'ai pas regardé en termes de... J'ai pas regardé en termes de... d'arrêt, est-ce qu'il y avait encore des arrêts à faire ou si j'ai tout fait en... démarrer la coupe... Je sais pas les... Juste ciel, c'est terrible de voir ça. Et il tente le tir. Il a fait de la merde. Et il est intercepté. Il aligne le tir, mais quel bel arrêt! C'est bon pour un poursuiveur ou... Interception. Ouais. Mais les États-Unis l'interceptent. On est contre. On est contre les USA. Le bon, on va les fumer. Ce but va dans le mille. Je lui demande en haut, lui fait droite-gauche. J'ai le seum. J'ai fait de la merde. On se prend des karmas assez rapidement sur le jeu quand même. C'est une passe du soir. Il tire. Et il tire. Ok. Vas-y, faut que je reprenne un autre poursuiveur. J'ai même pas le temps de prendre le jour que je me fais fumer. Oh, ils sont un peu plus agressifs là. J'attends qu'ils reprennent la balle là. Oh, c'est vrai que les commentateurs, tout ce qui est commentaires et tout, c'est vraiment pas ouf. Hein. Ils auraient pu faire un petit effort. Parce que la meuf là, tu sens qu'elle soit un peu chiée et... Il n'y a pas beaucoup d'entrain quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'entrain. Mais le tir passe à côté. Ça y est, mais bon, le rattrapeur, il fait pas...
face à un coéquipier. Comme vous le savez, on ne m'impressionne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Oh mais c'est abusé ça, j'ai l'impression d'être dessus à chaque fois. On va se le prendre. Ah j'aurais dû prendre le gardien quand je suis trop loin. J'aurais dû prendre le gardien direct. Ouais attrapeur faut... Oh mais ça va bro. Oh merde. Merde. On va reprendre le gardien. Le swap est passé. Ça va la map, je trouve. Le tir est parti. Arrêt de la France. La map est... Ça aurait pu être un tout petit peu plus petit, j'avoue. Mais en vrai, ça va. Par rapport à l'alpha, enfin, pour ceux qui ont joué à l'alpha, franchement, ils ont fait des progrès sur le dynamisme du jeu. Hein. On se prend quand même blâ les buts. Les États-Unis encaissent le tir. Je suis vraiment obligé d'aller au but, hein, sinon... Tant qu'on n'est pas serein... Je vais me remettre au niveau de l'attrapeur. Parce que là, on a plus trop d'avance. Enfin, le vif d'or est... Bon ça, on a remis un but. Tu vois, le vif d'or est vraiment... Ils ont bien fait de mettre que 30 points parce que je trouve que déjà, tu loupes un vif d'or, tu te mets quand même dans la sauce. C'est vraiment trop important de... le choper, quoi. Le vif d'or, il fait quoi, là? Il est bourré ou quoi, le vif d'or? Ce vif d'or est à bout de souffle. C'est une passe du swap. Le tir tout peut arriver quand... Et il marque. C'est finito bambino, les gars. On est quand même chaud, à un moment donné. Hein. Un petit peu chaud. Ah, ils te font des défis à jouer avec tous les pays, là. Donc là, faut finir premier pour arriver après dans le prochain tableau. Il y a 4 poules de 4. Ça ferait quoi, demi-finale? On va voir. Ah bah voilà. C'est quoi les défis? Emporter 15. Match. Marquer, vous faites des passes 100 fois. De compétences, ok. Là, du coup, les points de compétences, ils sont à mettre pour qui? Un pour le batteur. Là, je pense que c'est ça, tu peux pas en avoir plus de 10. Une fois que t'as mis les 10, tu vois, les poursuiveurs, là, j'en ai mis 10. Ça, donc là maintenant j'ai plus que des points pour soit le batteur soit le gardien. Rayon d'attrape du soif la crue. Ah c'est pas mal ça, rayon de vol, attrape, soif. Raid équipe, attaque. Bah oui et non, en vrai après t'as deux vives d'or, t'en as un 5 minutes, un 2 minutes. Après si t'attrapes les deux c'est sûr que c'est fini.
Après, si t'es très bon en attaque, tu peux très vite mettre 30 points pendant que les autres, ils attrapent le vif d'or. Donc c'est... Faut avoir sur le long terme. Ouais. Mais je pense que ouais, la méta, c'est de jouer en priorité le vif d'or. Faut pas le délaisser, en tout cas. Faut vraiment le jouer. Avez-vous bien regardé le dernier match du Royaume-Uni? Non, parce que votre équipe a l'air si confiante. Avec une action de but perso, c'est excellent. Je comprends pas ce que tu veux dire, Sergio. Pourquoi pas. Essayer de le choper. Oh, sérieux ? Le gardien il dort. Leur gardien il dort. Avant le vif d'or, tu vois, avant la 6ème minute, tu peux mettre déjà 2-3 buts. Si en face vraiment tu. Le tir est parti. Oh merde. Arrêt du Royaume-Uni. Le vif d'or, il est arrivé ou pas? Le tir est parti. Mais le tir passe à côté. Il passe le soif. Le soif l'est tiré. Ah non, what? C'est une passe du soif. Vas-y. Le soif l'est tiré. Ses yeux se fixent sur le vif d'or. Mais quel bel arrêt. Vas-y hop, on va reprendre l'attrapeur. C'est une passe du soif. Aïe. Le cognard qui fait mal. Il fait très très mal. Nous avons un joueur à terre. Il fait une passe. La ligne le tire. Mais quel bel arrêt. Ce vif d'or est à bout de souffle. D'elle. Oh les commentaires, non j'avoue les commentaires les gars c'est 0 sur 20. Ils ont fait zéro effort sur les commentaires. Je pensais que FIFA les commentaires étaient nazes mais alors là... C'est très pauvre. C'est ultra pauvre. Ah putain j'ai fait de la merde. Oh là 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 là, ils ont failli le choper. On a eu de la chance, hein. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, bah, c'est de faire des matchs de Quidditch et de gagner les différentes compétitions, soit en solo, en carrière, ou sinon... après, tu peux jouer en ligne en multijoueur. Donc soit t'es en match amico et là tu peux inviter des gens, ou soit tu peux inviter des gens et jouer après contre des mecs random. Donc y a pas de ranked à proprement parler pour l'instant, mais
Voilà. Ah putain, et mon écran qui s'est... Ça, c'est trop chiant, l'écran qui se remet en vertical. Ça me l'a fait 2-3 fois, là, cet après-midi. Donc, en fait, c'est un p... on va dire, pour vulgariser, c'est un FIFA, mais en mode Quidditch. Quoi. Tu t'enchaînes des matchs de Quidditch. Et après, t'as plein de défis pour améliorer tes persos, pour améliorer tes balais, donc tes caractéristiques, etc., etc. Donc, le jeu est sympa, c'est univers Harry Potter et tout. S'il n'y a pas de ranked, malheureusement, la durée de vie, une fois que t'as fini le jeu dans tous ces modes, tous ces... Et toutes ces difficultés, c'est vrai que ça peut manquer un peu de contenu en endgame, quoi. Et le jeu est sympa. Oh non, là ça rentre pas ? J'ai déjà vu des tirs moins bons rentrer. Hein. C'est sur PC ? Ouais, sur toutes les consoles à part Nintendo Switch. Et Nintendo Switch, ça arrive... Ça arrive d'ici la fin de l'année, logiquement. What ? Oh, le chien, il m'a fait une feinte. Je pensais qu'il est tiré là. C'est moche. J'ai hâte de voir la difficulté max du jeu, tu vois. Contre les bots. Sinon, je fais quand il passe, là. Y'a personne qui... Passe la balle, mon ami. Oh là là. Oh, je me suis pris un cognard dans la tronche, bordel. C'est pas grave. On va rejouer l'attrapeur. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est que tu peux jouer plusieurs rôles en même temps. C'est ça que j'aime bien. Tu peux switcher autant en gardien, poursuiveur, attrapeur. Bon, je joue pas trop batteur. J'aime pas trop batteur pour l'instant. Parce que les rôles les plus importants, là, ça m'a l'air vraiment d'être... choper le vif d'or à chaque fois. Donc, je trouve ça assez bien foutu pour l'instant. Le jeu il est entre 20 et 40 euros, ça dépend si vous l'achetez sur Instant Gaming. Il est gratuit sur PlayStation si vous avez PlayStation Plus. Oh, ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. Si on a de l'avance là sur le vif d'or. Oh putain, les commentaires, genre... Allez, 100 à 10, bam! Batteur, c'est pour faire chier. Bah, le batteur, en fait, je pense que le rôle essentiel du batteur, c'est soit de fumer le gardien quand t'es en attaque, ou soit ça va être de fumer, en fait, l'attrapeur pour le gêner, pour gêner un maximum l'attrapeur, pour que ton attrapeur à toi dans ton équipe puisse choper le truc. Selon moi, les moments où je me le fais plus embêter, c'est quand le batteur, vraiment, il m'envoie full cognard dans la tronche. Bon, round 3 sur 3. On est bien parti pour finir premier. Tiens, je regardais, attends, les défis un peu. Ouais, le jeu, il est sorti, les gars. De compétences. Donc, en tout cas, ouais, j'ai vraiment l'impression, ça, je pense que ça se confirme, que tu peux pas mettre tous les points de compétences. T'es bloqué à 10. Par style. Ah tu vois, c'est con, on puisse pas avoir celui-ci en plus. Poursuivre, ouais, c'est ça, je pense qu'on est vraiment 10. Tacle, je suis pas fou, c'est pas fou. Sans vrai, les deux, c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal comme compo. Gardien. Pendant un plongeon en recentrage accru. Vitesse inversée. Comment ça, mon ref? Compris. Alors les défis quotidiens, on les a tous eus.
Défi hebdo. On va jouer combien? 25 matchs au total pour avoir toutes les clés. En une semaine, ça devrait le faire. Donner un coup de pied à 20 adversaires en jouant au poste de gardien. Ah putain, c'est vrai que j'en donne jamais des coups de pied. Ouais, en fait, t'as des persos, t'as Sébastien Palo. Là, moi, j'ai Sébastien. Et en fait, t'as plusieurs skins. Ça, je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu parce que j'avais acheté le. J'avais Hogwarts Legacy. En fait, t'as plusieurs. T'as Fred et George. T'as l'arbitre. T'as Ron Weasley. T'as Draco. T'as Cédric. Harry Potter, Hermione. Mais je crois qu'il y, il y avait d'autres persos pendant l'alpha, non? Je crois qu'il y en avait d'autres. Je reviens dans deux petites secondes, les gars. J'arrive. On en est au troisième match de la Coupe du Monde. J'ai pour les level up sur, sur Twitch. Il n'y a pas de goal en face. Ouais, les goals sont pas très bons en hors ligne. C'est pas très très bon. Il faudrait des mods un peu à la CS. De quoi ? En vrai, normalement, même si on perd, on est qualifié. Les joueurs s'envolent, le cœur battant et le balai flamboyant. Super. Oh, je l'ai dégagé l'espagnol là. Ça dégage. Ah bah. Herma. What? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il tire. Et ça passe à côté de l'anneau. Un peu plus réactif le gardien. Ah, je pensais que je l'avais récup. C'est une passe du soif. C'est une passe du soif. Oh là 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 là, quel nulus. Ah, le gardien est un peu plus chaud là. Il se déplace un peu plus. Ah, le gardien il me rend ouf. Les commentaires sont vraiment éclatés, hein, je suis d'accord. L'Espagne encaisse le tir. Aïe. Oh, c'est abusé. Oh merde. Je me suis fait fumer. Les quêtes du lundi soir sont buggées. Non, moi ça m'a l'air de fonctionner hein, pour l'instant. Lesquelles sont buggées? Ah putain, j'ai pas de boost. Non, ça manque de soutien des mates hein, quand même. Ce vif d'or n'est pas loin d'être à... Ah, j'ai essayé un truc là. Le soir est passé. Faut choper le vif d'or là, j'avais pas vu. Arrêt de l'Espagne.
Ah, le chien. Ah, il me nargue. Comme vous le savez, on n'impressionne pas facilement. Ouf. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. C'est une passe du soir. Il s'agit vraiment aujourd'hui. Oh là là, le gardien, il arrête tout, il est trop chaud, le gardien. Le soif l'est tiré. Ah mais quoi ? L'Espagne encaisse le tir. Ah, j'ai pas le réflexe du R2. Arrêt de la France. Nous avons un joueur à terre. Ah, j'ai essayé un dérapage, ça a pas du tout fonctionné. Aïe aïe. Alors, batteur, il nous fait mal, hein. Le soif est passé. Ah, GG. Voilà. Il m'en ouf. Ok, nice. On va prendre l'attrapeur direct. Ses yeux se fixent sur le vif d'or. C'est une passe à un coéquipier. En fait, il devrait avoir un bonus pour celui qui le trouve en premier. Un petit bonus de jauge. Non, Georges, je l'ai pas chopé. Encore 30 secondes. Le vif d'or. Allez, ça dégage. Yo Ludop, comment ça va? Ouais, le jeu, il est sympa, les gars. La ligne, le tir. Ouais, il me rend ouf, le gardien, vraiment. Ah, ils étaient pas mauvais, hein. Franchement, le gardien, il en arrêtait plein. Hein. Ouais, Quidditch, c'est cool. Très sympa. Attends, États-Unis, on les a déjà joués, non? C'était dans notre pool. Je comprends rien. Tu as joué à quoi toi, Ludop? Vous avez déjà joué les États-Unis, c'est bizarre. Je ne veux pas propager de rumeurs, mais il paraît que les États-Unis ont des talismans non réglementaires sur leur balai. Auriez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Mmh, mmh.
Bon, les US, t'en es en 8ème ou quart de finale? What? J'arrive pas à voir où est la balle. Ah d'accord, je me prends un. Les États-Unis encaissent le tir. Ça cacouille un peu. Ça cacouille beaucoup même. Oh, j'ai le démon. Le soif l'est tiré. Ah, j'ai pas le réflexe du R2. Hein. J'ai vraiment pas le réflexe du R2. Le tir est parti. Un tir incroyable. Oh non, ma stun. Oh, JPEP. Dit propre Galactic Survivor. Ça me dit un truc. Ça me dit un truc en effet. Oh là là. On est malmené là. Le tir est parti. Arrêt de la France. Le souhait est passé. La France en but. Le gardien il bouge pas. D'autant le gardien de l'Espagne était chaud. Putain là le mec. Ouais, il y a du online. Là je finis le mode carrière, puis après j'irai un peu en online. On a déjà fait tout à l'heure, c'est, ça va, ça bug pas. C'est un fou à c'est but. Mais ça passe à côté de la cible. Il y a but, mais c'est passé à côté de la cible. Putain, j'arrive pas à le voir le vif d'or là. La France encaisse le tir. Il a un peu d'avance sur moi le mec. Hein. Un peu d'avance. C'est une passe du soif. Le soif l'est tiré. Mais quel bel arrêt! Un j'ai pas compris pourquoi. Le vif d'or est à portée de main. C'est dans le mille. Pourquoi il s'est arrêté? Ouais, je pense qu'il va le choper. J'ai le seum. Ah putain. Ça va, ils ont 10 points d'avance. Bon, le jeu est sympa. Hein. Le jeu est sympa, voir dans le temps maintenant avec l'online et tout, mais... Ok, 10 points de retard, ça se refait. Les États-Unis encaissent le tir. C'est le milieu du match. Qui arrive en tête? Le soif l'est tiré. Mais quel bel arrêt! Ouais, pour qu'on égalise. C'est peut-être et il oh ok. Oh, Harry Potter, je kiffe. En vrai, ça va, l'univers est bien respecté. Même les stades et tout, ils sont stylés. Hein. Merci Lulu pour le follow. Ils sont pas mauvais, là, les États-Unis. Ça rend ouf. D'ailleurs, on les a fumés. Oh là là, je pensais qu'il allait bouger. Des États-Unis. Ce genre de coup risque de laisser plus qu'un petit bleu. Et il jaillit à travers. Ok. Dans 25 secondes, il y a le nouveau vif d'or. C'est de...
Oh, cette contre-attaque. Let's go, 20 points. Cette fois-ci. Oh, comment ça, l'attrapeur, je peux pas le choper? Oh, il est mort. Ils l'ont shooté, c'est chiant. Putain, mais il me focus, c'est pas possible. Oh là là, le batteur, il est focus sur moi. Vraiment focus sur moi. Les États-Unis encaissent le tir. Oh mais genre... Je fais une esquive, je change de côté, le mec il arrive... Le cognard il arrive quand même à me fumer. Oh, puis les rouges qui... J'aurais pu le choper, j'ai le démon. C'est une passe à un coéquipier. Oh, on a eu chaud. Mais quelle course. Pas serein. Cela il chopait, on était mort. Ah, j'aurais peut-être pas dû tirer. C'est 4 secondes. Le swap est passé. Félicitations à la France. Oh putain, c'était chaud. Il était chaud. Mieux Croquette League, mais ça n'a rien à voir, les gars. C'est pas du tout le même jeu. Oh, t'es Vizinho là. Là, c'est pas possible ta question. Refais-moi une phrase correcte, s'il te plaît. C'est juste pas possible. Hein. Alors c'est très bizarre qu'on rejoue contre les États-Unis, qu'on ait rejoué contre les États-Unis. Un peu mal fait leur truc. Lettre de Poudlard. Ça nous fait une belle jambe. Bon, on a eu chaud, hein. Comme quoi quand tu perds un vif d'or, si tu chopes pas le deuxième, c'est chaud. Il risque d'y avoir quelques os cassés aujourd'hui. Tiens, regarde tes vies. Hop. C'est ciao. Mange-toi ton ban. Casse-toi. Il veut faire le malin. Qui fait le malin tombe dans le ravin. De leur côté, les Australiens espèrent qu'une victoire aujourd'hui fera de l'équipe. Ouais, il y a du PVP. Ah, je vais pas avoir le temps. Ah, vas-y, Zbut. Zbut. Ouais, le jeu est vraiment sympa. Hein. Moi, j'aime bien en tout cas. J'aurais dû prendre le gardien, tu vois, quand je suis trop loin. Et le soif les lâcher. C'est une passe à un coéquipier. What? L'Australie et le oh putain, j'ai pas vu la balle partir. Hein. J'ai. Ouais, tu peux créer ton perso, mais après t'as plusieurs postes, etc. Et ouais, tu peux jouer en ligne et en carrière solo. Un peu.
Oh là, c'est pas possible. On est malmené là. Ouf, j'ai cru qu'elle allait au-dessus. On est chaud. Qui sera le premier à trouver le vif d'or? Voilà le vif d'or, mais qui sera le premier à l'attraper? On le chope direct parce que là, on a déjà un peu d'avance, tant mieux. Le bon avantage. Il passe à son coéquipier. Mais le tir n'est pas bon. Allez, on peut le choper. Let's go. Même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Là c'est en mode carrière solo, tu choisis ton équipe pour la Coupe du Monde. Mais sinon à chaque fois tu joues avec d'autres joueurs en ligne. Ah il est en ouf le gardien. Il est vraiment pas mauvais ce con. Et les gardiens commencent à pas être mauvais, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche plus les petites feintes qu'on faisait au début. Le tir est parti. Il arrête tout, le mec. Et voilà que l'Australie s'en empare. Le swap est passé. Est parti. Arrêt de la France. Ok. Attaque. Faudrait qu'on mette le but là pour s'assurer une petite avance. Et voilà que l'Australie s'en empare. En fait, quand t'as plus de vitesse, là, t'es à bout. C'est pas évident. Ah là faut qu'on le mette celui-là, je suis tout seul, ah, j'ai plus de boost. Let's go. Hop, on part direct sur le vif d'or. Si on chope le vif d'or, c'est gagné, c'est du tout cuit. Ouais, quand ça me saoule avec son cognard lui. Mais il le chope toutes les 30 secondes. L'Australie encaisse le tir. Ce vif d'or n'est pas loin d'être attrapé. Ah, je perds la bataille du vif d'or, bordel. Ouf! Putain, il était pas loin l'autre, je sais pas où il était, mais. Il y a le gardien, c'est un vrai joueur. Non, là c'est full bot. T'es en carrière. Après, tu peux jouer avec des potes à toi en coopération. Ah.
Attends, what? Oh mais quel nul. En fait, je voulais me replacer au centre, mais c'est L2 pour se replacer au centre. En vrai, tu peux jouer un peu le temps en vrai hein, dans ce jeu. Le sput. Le sput. Ah, je suis mort. Le sput. Ah, je... ah. Allez, c'est ciao l'Australie. Et c'est la finale contre le Canada. C'est les Irlandais qui gagnent dans le jeu. Enfin, dans le film. Plan de compétences. Va-t-on gagner notre première Coupe du Monde de Quidditch ? Ce dernier match contre le Canada vaudra à l'une des équipes la gloire et la célébrité et fera sans doute perdre quelques fans à l'autre. On va les fumer. Allez, par là. Let's go. Il passe le soif. Bientôt, j'allais dans le but avec. Ok, 10 points. Ah, c'est trop chiant qu'on se prenne le cognard entre les deux, là. Oh non. Notre batteur, il est pas... Ok, nice. Est-ce que quelqu'un sait où est passé le vif d'or ? On dirait que le vif d'or là. Pas qu'on perde. Le Canada encaisse le vif d'or et repère. Et j'ai une petite avance. Le Canada encaisse dans le mille. Ouch. Ça pique.
Et ils aiment trop mettre tarif. J'en prends, je suis dans la sauce. Comme vous le savez, on n'impressionne pas facilement. On a eu chaud. Mais on a vraiment eu chaud. Je dois reconnaître que cet arrêt était splendide. Oh là là, il m'a fait une feinte. Arrêt du Canada. Ça me rend ouf. Le souaf est passé. C'est une passe à un coéquipier. Voilà, cette passe. La foule s'agite vraiment aujourd'hui. Mais je vais le souaf le met dans le mur. Let's go. On a un peu d'avance là. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Je me prends tellement un karma instant. Mort. Juste ciel, c'est terrible de voir ça. Oh vas-y, mais c'est trop. Le soif l'est tiré. Mais quel bel arrêt. Le Victor est libéré. Il fait une passe. Ses yeux se fixent sur le Victor. Et il jaillit à travers le but. Je leur laisse le vif d'or. On va sécuriser les points. Ce genre de coup risque de laisser plus qu'un petit bleu. C'est une passe du souffle. Le Canada encaisse le tir. Ah putain, j'ai l'impression qu'il allait à gauche. J'ai rien assuré du tout. Le vif d'or est à portée de main. Ce n'est pas le moment de se déconcentrer. Le souffle est passé. Tout peut arriver pendant la dernière. Non ! Ah mais le gardien. Ça passe à côté de l'anneau. Le vif d'or a été attrapé. Oh là là, dès que je leur laisse le vif d'or, on le perd. Un d'elle. Non, ça a pu être le but de la victoire. Ah, j'ai le seum. C'est une passe du souffle. Bon, là, c'est gagné. Ils vont pas mettre 4 buts en 2 secondes. Et nous sommes bientôt champions du monde. Félicitations à la France pour cette victoire. Let's go. Et voilà, champion du monde. Vous remportez la Coupe du Monde avec la France. Let's go. Champion del Mundo. Fin de compétence, ok. La cérémonie. Et avec cette victoire, la France remporte la très convoitée Coupe du Monde de Quidditch.